Maxime, 4 points ce soir dans une manche. J'aimerais bien savoir votre horaire d'aller. Qu'est-ce qui s'est passé par la suite? Vous avez quand même justement fini la job qu'on avait fait dans cette manche-là. Ouais, c'est sûr qu'une belle manche de même, une manche de 45 minutes, que ça a duré. C'est une bonne manche, justement. Mais je pense qu'on a joué quand même un bon match, là, même quand tu regardes le dernier at-bat de Rosé qui s'est vraiment battu pour embarquer ses buts. Il n'a pas été chanceux, mais il a vraiment un bon at-bat. Je pense qu'on a quand même fait une bonne job aujourd'hui. On a bien joué défensivement aussi. C'est un bon match de baseball. Là. C'est celui-là que c'est le fun à gagner. C'est ça, après un match de 4 erreurs hier, je pense que c'était important de revenir à la base. Aucune erreur ce soir, c'est pas ça qui a fait la différence dans le match. Ça, pour un coach, là, adjoint, un chef. Ben, exactement. C'est exactement. On parlait justement de ça. C'est vraiment. Tu sais, c'est les petites choses que tu fais en défensive, que ça met tout le monde en confiance. Puis c'est ça qu'on a fait aujourd'hui. On a bien joué. Là. Un mauvais lancé qui frappait à la baisse à la lune, là, l'autre. À part ça, là, le game de balle. Oui, Donegan était dû en plus, puis il aime ça frapper au stand. Je pense que c'est son troisième circuit à Trois-Rivières déjà. Ouais, c'est pas. Justement, parlant de domicile, Pierre-Luc faisait état des statistiques au bâton la semaine passée. Ouais. 200 comparativement à 280 dans les autres stades. Mm-hmm. Là, c'est que là, vous êtes 7 matchs, je pense, de suite sur la route. 4 contre les Jaguars, 3 contre les Bulldogs à partir de là. Ouais, on va analyser ça aussi encore, mais on en parle souvent. Peut-être essayer de trouver qu'est-ce qu'on fait de pas correct à maison. Mm-hmm. Les joueurs voient quand même bien la balle. C'est sûr qu'on a posé la question. Peut-être que des fois, j'ai joué assez longtemps, il y a des stades que tu vois pas la balle les deux premières manches, mais ici c'est pas le cas, on voit bien la balle. C'est peut-être des fois on passe un petit peu trop de temps dans la cage au lieu de penser toujours aux techniques, qu'est-ce que je devrais faire avec mes mains, mes pieds, ma tête. C'est vraiment d'aller chercher, de vraiment changer notre approche au bâton. Ça fait longtemps qu'on le dit, qu'on en parle, mais il ne faut pas oublier qu'on a une jeune équipe aussi. C'est ça, je pense que moi je le vois, là, je suis le match, puis je pense qu'on a une meilleure approche. Là, c'est que ça donne des meilleurs games de baseball, là, comme ce soir. As-tu l'impression?